Ok les amigos, on se retrouve pour une nouvelle journée de survie pour Joe Lopez qui s'est couché tard hier soir, très tard, et il va se réveiller très tard. Putain, il est 10h40. Joe, tu déconnes, on a plein de bouts, on a du boulot par-dessus la tête. L'autre, il dort, quoi. Le sac à dos est vide, là c'est plein ça. Je vais mettre ma batte de baseball dans le sac à dos et tout de suite, vous allez voir, ça va. Pff, zéro. Les bêta Blockman, je les laisse. Les antidouleurs. Pourquoi j'ai trop de trucs là-dedans? Je vais mettre les antidépresseurs là-dedans. Les cigarettes. Tu sais ce qu'on va faire? On va en sortir le max. Arrête, 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 arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tes marteaux? J'ai dit, je voulais sortir. Oh, les cigarettes. Cigarettes, on va en sortir un max. On n'a pas besoin d'en avoir autant en fait. Je vais les mettre où? Attends, 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 faut pas que je fasse le con. Je vais les mettre dans le petit tiroir. Ouais, désolé, je fais ma petite tambouille, hein, d'accord? Voilà. Hop. C'est pas tellement pour ce que ça pèse, mais j'ai pas besoin d'avoir tout sur moi. Ouais, voilà. Ok, objectif du jour, ne pas faire le con. Il faudrait que je vide un peu ça serait mieux. Les allumettes, on peut les mettre là-dedans. Qu'est-ce qui me pèse si lourd? Je sais pas. Le lait concentré sucré, on va le foutre là-dedans. C'est les tissus déchirés, vous croyez? Peut-être. Non. Peu importe, peu importe, peu importe. On a de la marge. Allez, on va continuer aujourd'hui notre exploration. Alors, en sachant que traditionnellement, le matin, on se fait mordre, d'accord? On va regarder notre bandage. On n'a plus rien. L'état général du corps est plutôt bon. La voiture est toujours là. Je vais monter. Je vais monter plein nord. Là, c'est la route, hein. Bon, on est sur le mode 10 ans plus tard, hein, on est bien d'accord. Alors, est-ce que la route s'arrête ici? Tout à fait possible. J'explore mon environnement, on va dire, aujourd'hui. Ok? Pioui, pioui, font les petits oiseaux. Obligatoirement, il va falloir que je me trouve d'endroit pour habiter à côté de l'eau. Parce qu'en menuiserie, j'ai rien du tout. J'ai aucun talent de menuisier. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est le matin, je pourrais me faire croquer, mais il vaudra mieux que je les débarrasse. Attendez, venez plutôt par là. J'aime mieux, je sais pas pourquoi, mais j'aime mieux vous avoir sur ma gauche, ma droite. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Elle, elle a failli me croquer encore. Hein. Il est mort, lui? Oh, ouais, il est mort. Putain, ils ont que de la merde. Donc on a dit qu'on continuait plein nord. Oh, oh. Oh ouais, là-haut, il y en a un. Ah, mais il y en a. Mais pourquoi il y en a autant? Tant pis, vas-y, on débarrasse. Hein. Bagarre du matin. Hein. Où il est? Ah, il est là. Ouais, d'accord. Pour lui piquer son slip, hein, j'en ai rien à foutre. Oh, vous, les deux, là. Il y en a un, il est caché là-dedans. Je l'ai vu. Hein. Oh, viens! Petit malin, je surveille pour pas me faire déborder. Non, mais attends, lui, c'est un mec avec un soutien-gorge. On aurait dit un mec. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je suis d'accord, il faut que je nettoie mon environnement, mais quand même. Oh bah elle, elle était, lui il était plus solide. Ok. Montre digitale, on prend. Montre digitale, vas-y donne. Chez Fredo, non pas Fredo, Joe Lopez, vendeur de montres. Pourquoi là, c'est noir? C'est quand même pas le bout de map. Faut faire gaffe en forêt.
Ah non, non, c'est pas le bout de map, c'est la forêt profonde. Oh, il y a de l'eau là. Oh là là, il n'y a pas que de l'eau. C'est de l'eau ou c'est une route? Non, c'est de l'eau, hein. T'es où toi? Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Bon, si on a trouvé de la flotte, c'est plutôt bon signe. Le problème, c'est qu'il y a souvent beaucoup de Z en bord de flotte. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils aiment le poiscaille. Ne pas se louper. Voilà. Ok. Je vais monter plus haut. Voir. C'est déjà 13h, les gars. J'ai rien bouffé. Ouais, d'accord. Accélère, accélère un peu, mon vieux. D'où ils sortent, là? Putain, mais c'est infesté, là-bas. Oh, l'homme des bois, là. Calme-toi, toi. Il y en a un autre, il est où? Ils étaient deux. Je l'ai... Oh, ils étaient pas que deux. Oh, bien. Elle a quelque chose sur elle. Un tournevis planté dans la cuisse. C'est quoi, c'est le bordel là-haut? Montre digitale, donne. Carte de Muldrow, rien à foutre. Si, je vais la prendre quand même, la carte de Muldrow. Je la lirai et ça va me la mettre dans ma minimap. L'autre, elle a quoi? Un tournevis, vas-y, je prends. Qu'est-ce que je te dise? Tournevis, tournevis, tournevis. Je vais foutre ça dans le sac. C'est la journée de la bagarre là. Aujourd'hui, de toute évidence, lui il a quoi? Rien du tout. Donc on va dézoomer sa mémé. Faut que je reste plein nord moi, parce que si je pars pas plein nord, je vais galérer. C'est de l'eau. C'est bel et bien de l'eau. Oh, et eux, c'est pas de l'eau. Mais pourquoi, 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 pourquoi ils sont cachés ici? Vas-y, viens, je m'en fous, moi. Bah, j'aime mieux quand ils sont de mon côté droit, je me sens plus à l'aise. Après, ça, c'est chacun son truc, hein. L'idéal, c'est d'être à l'aise quand ils sont partout, mais j'ai l'impression que je ferai moins de misclics s'ils sont sur mon côté droit. Donc je me place comme j'ai envie. De toute façon, c'est moi qui décide. Oh, il est solide, le vieux des bois, là. Ferme-la, slip rose. Ah, de faire ton malinost. Fourchette, stylo, rien à foutre. Ça me déplaît de savoir qu'il y a autant de Z sur le bord de la rivière. Allez, venez. Ouais, venez, venez, j'ai rien à foutre, moi, venez. C'est la bagarre, là, maintenant, nous. Restez groupés, c'est mieux. Ouais, solide, elle. Non, mais c'est bon. J'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid, je suis triste. Je suis triste. Je serais triste aussi à ta place, mon vieux Joe, je te le dis. Pourquoi il y a autant de Z par ici? Oh là là! D'accord. Ne pas faire le con avec eux, parce que là, je suis pas en environnement connu. Donc on va faire... Et voilà ce qu'il faut pas faire. Je me suis fait mal. Ouais, je me suis fait mal. Donc je vais prendre mes distances, le temps de me mettre un tissu déchiré. Ah, courir, courir dans le jeu là, ça peut être tendax. Hein. J'ai faim. Je suis affolé. Calme-toi, calme-toi. J'ai des bêta bloquants. Où sont-ils? Ouais, on verra plus tard. Putain, mais c'est bon, non? Oh, vous allez rester tranquille un peu, non? Oh, le professeur, là. Professeur Nimbus. Je sais pas d'où ça sort, hein, franchement. Bon, là, on va être obligé de faire la bagarre à gauche. Oh putain, heureusement que je leur pousse. Ouais, je suis moins à l'aise à gauche. C'est comme ça. Donne. Toi, t'as quoi? Montre classique, je t'emmerde. Clodo.
Putain, hey, j'arrive pas à m'approcher de la rivière. Bon, je me suis fait un petit peu mal. C'est pas grand-chose, mais un petit peu. Je vais manger ça. Le sortir du sac. Où il est? Ouvrir. C'est bien, ça c'est nourrissant. Le lait concentré sucré. Vas-y. Après, par contre, t'as la soif. Sans pitié. Là, j'ai chaud et je suis triste. C'est pas grave. Tu verras, ça va bien aller plus tard. Bon, j'ai pas désinfecté parce que je me suis juste griffé. Hein. Normalement, ça passe. Putain. Je voudrais bien approcher de la rivière. Ah bah, l'autre, elle était là. Elle est revenue. Fous la paix, toi. Tu te crois où, là? D'accord. Il va encore m'en retomber un dans les sapins, là. Non, il va m'en retomber deux dans les sapins. Reste au sol, reste au sol. Montre en digital, on prend. Putain. Oh, laissez-moi m'approcher de cette putain de rivière, par pitié, je veux juste voir. D'accord? C'est quand on passe cette ligne là. Ah! Quand même. Bandage sale, ça saigne. Oh là là. Faut que je traite vite. Allez. Je suis fatigué, je sais pas pourquoi. Là, au pire, il pourrait m'en arriver un dans le dos. Oh là 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 là. Oh là là, oui. Remets-moi vite un tissu déchiré là-dessus, que ça aille pas s'infecter. Pourquoi je suis pas efficace comme ça? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un problème? Donc, plein nord, on a une rivière. C'est plutôt joli. On dirait un canal plutôt que. Ils sont assez nombreux ici, j'ai pas confiance. J'ai pas tellement confiance qu'il m'en arrive un dans le dos. Oh là 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 là, des montres classiques, on s'en fout. Bon, je vais jusqu'à la flotte. Très dur, hein. Très dur d'accéder à la flotte. Mais on sait qu'il y a de la flotte, déjà. Et on sait que c'est blindé de Z. Pourquoi c'est blindé de Z? Nul ne le sait. Allez, viens jusque-là, toi. Tu m'énerves. Après, on rentre à la maison. C'est bon. Tape sur sa tête! Ouais, voilà. Mets-lui un bon coup sur la tête, ça va la calmer. Ok, on dégage. On sait qu'au nord, il n'y a pas de coron, mais il y a la rivière. Et là-bas, il y a deux abrutis qui vont essayer de m'emmerder. Pourquoi? Je l'ignore. Viens là, terrain dégagé, je vous défonce. Viens là, mon petit cousin, tu vas voir comment ça va se passer. Je le dis, moi, malheureux. Allez. Vas-y, Joe. Vas-y, Joe. Vas-y, Joe. Dernière bagarre, après, on rentre à la maison. Allez. C'est ça le danger, c'est le misclic. On prend. Où il est l'autre con là? Il y en avait un autre. T'es où gros sac? Tant pis pour lui.
Si. Oh! C'est le Cowboy Joe. T'es là, Cowboy Joe? Oh! Oh! D'accord. Bon, allez. Nord, on a vu. C'est la grosse bagarre. Faut que je retrouve la mèze. Faut pas que je fasse. Ouais, c'est par là. Pas suivi, c'est bon. Donc le nord pour nous c'est pas bon. Enfin si c'est bon, c'est bon parce qu'il y a de l'eau. Ok. C'est quoi ce gros hangar là? Ah mais je l'ai déjà fait, c'est un bungalow. Il me semble que je l'ai déjà fait. Faisons le petit bungalow là, le petit truc de jardin. Ah c'est fermé à clé je crois. Peux démonter la porte? Non 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 il faut. Oh là là, un marteau à panne ronde. Ou un marteau. Ah ouais, mais j'ai un marteau. Je pourrais démonter, potentiellement. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver la mèze. Je crois que c'est par là. Il me semble bien que c'est par là. Pardon. C'est quoi cette dalle là? Ouais, j'ai déjà fait ici. Moi déjà j'aimerais bien savoir où je suis. Ouais si c'est bon, je suis pas loin de la mèze. Est-ce qu'il y a des trucs? Il y a une télé. Bah attends, on va la démon, on la désosse. Hein. Rien à foutre. Je démonte tout moi maintenant. C'est parti. Attends mais déjà je voudrais savoir où je suis. Donc la maison potentiellement serait plus haut. Peut-être. Non. Non, non, pas du tout. Oh, un tracto! La classe, je vais les traiter, eux. J'ai pas le choix. Montre classique, je m'en fous. Viens là, toi, t'es pas habillé en tenue de faire du tracto. Ok. On a encore une. On va pas examiner le tracto. Oh là, il n'y en a pas qu'une. Et non, il n'y en a pas qu'une. Mes amis, il va falloir faire de la place. Oh! Elle est où? Ah, lui, il est là, il m'a vu. C'est bon. Je fais gaffe à l'autre. Hein. L'autre, elle est là-haut. Ah, et toi? Ah, ça, c'est un agriculteur, ça se voit. T'as pas les clés du tracteur? Ouais, mais tu parles, il a que dalle, lui. C'est un clochard. Toi, viens là, 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 petite folle. T'es en tenue de soirée, ma vieille. Hein. Je commence à être pas mauvais à la batte. Mais ça n'empêche pas le misclic, on est bien d'accord. Et moi, même si c'est un tracteur, je me barre en tracteur, hein, je m'en fous. Oh là, sors vite. Elle a essayé de me niapper, hein. La baronne, là. Avec les boucles et tout. Regarde-moi ça, l'autre, elle a les boucles et tout d'oreille. Un talkie-walkie, vas-y, on le prend, on le démonte. On s'en fout. C'est bon, là, autour, non? C'est calmé? Bon, si je monte là-dedans. Ouais, j'ai pas de clé. Il n'y a pas besoin de clé pour démarrer ça. C'est un tracto. Vas-y, fais voir. Des allumettes. Les allumettes, on prend. On en aura besoin. Du scotch, on prend. Quoi, je peux plus prendre d'allumettes là-dedans? Je les prends là-dedans. Je m'en fous. Des piles, ça peut servir. Sur le siège, il n'y a rien. Il n'y a rien. Merde, pardon. Regardons l'état. En espérant que personne arrive autour de nous.
Oh putain, il est comme neuf. La batterie, elle est neuve. Batterie de voiture de type résistant. L'essence. Ah putain, il est vide. Sinon, j'aurais pu siphonner. Bon, par contre, là, je suis un peu ennuyé. C'est que je suis perdu. Où est ma map? Je suis ici, il faut que je descende là. Ok. D'accord. Eh ben écoute, on va redescendre à la messe parce que la nuit est en train de tomber. Hein, on va essayer de rester calme. Il y a une télé. Allez, Joe! Oh putain! Oh non! Ça, c'est ce qui pouvait m'arriver de pire. Hein. Mais alors de pire. Hein. Là, ça va faire venir tous les ahuris de la planète. J'ai pas intérêt de me retrouver trop fatigué. J'ai pas intérêt de me retrouver visible. Parce que là, je peux me retrouver potentiellement avec de la grosse bagarre si ça se dordille mal. Ah ouais, le bruit comme ça les fait venir, mais... Regarde, 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 regarde en haut. Oh, regarde en bas. Je sais même pas d'où ils sortent. Le problème, c'est que ça va m'avoir réinfecté toute la baraque. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'amuser avec ça. Bon, les gars, je vous le dis, ça sent la nuit blanche, hein. Oh putain. Oh putain, non. Non, 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 non. Oh la dèche quoi, la dèche. J'étais en train de rentrer chez moi. Toute façon là j'ai pas le choix, hein. C'est la forêt sinon rien. Et même en forêt, je peux tomber sur à tout moment. Et là il fait nuit maintenant. Ouais, là il y a une route. Alors là la route c'est ce qu'il y a de mieux. Là il y en a des tonnes. Faut surtout pas que je sprinte, faut que je reste tranquille. Que j'arrive à les distancer dans le calme, c'est pas fait du tout. Puis là, il va y en avoir d'autres. Oh merde. C'était ce dont je n'avais pas besoin du tout. Ouais, ils vont pas lâcher comme ça, hein. De toute façon, je les connais. Hein. Merde. Bon, ça va, là, il y en a plus beaucoup. Je vais dézoomer. Je sais pas, je suis dans un quartier que je ne connais pas, de force. Bon, là, c'est gérable maintenant, ça va. S'il y a que elle. Ouais, mais le problème, c'est que si je commence à me marave avec elle. Ouais, d'accord. Déjà, il n'y a pas que elle. Ok. Ah, là ça me parle. J'en ai tué plusieurs ici. Ah oui, ça me parle forcément. On n'est pas loin de la mèze. Putain, j'avais tout nettoyé, quoi, sans déconner. Sans déconner, c'est tout revenu. Hein. Bon, bah écoute. on s'est levé tard, et ben on va pas se coucher tôt, quoi. J'y vois que dalle. J'y vois que dalle et il y en a plein la forêt, bien entendu. L'alarme. L'alarme de malheur, quoi. Le truc. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Mais je m'étais sorti du mauvais pas quasiment, là, les gars, là. Oh. Ils vont tout défoncer, ça se trouve, ils vont même.
Oh, je suis revenu où? Je suis revenu sur l'endroit où il y avait le... Ouais, je me barre, je me barre, je me barre, tant pis. Faut que je fasse gaffe, hein. Faut surtout pas que je m'essouffle, parce qu'à un moment donné, quand je vais être essoufflé, je pourrai plus courir. Ils vont me rattraper, ils vont me croquer. Direct. Ouais, c'est ça, vas-y, essaye de me croquer, toi. Oh là 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 là, les amigos! Pitié, 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 laissez-moi en paix. Ouais, bah bien sûr, tu m'étonnes. Oh là, c'est chez moi là. Ils ont pété la porte? Oh putain, difficulté, difficulté les gars. Oh, difficulté les gars. Je pourrais rentrer là, fermer la porte, s'il n'y en a pas dedans, hein. Faut pas qu'il y en ait dedans. Et sortir par l'autre côté. Bon là, il y en a un, mais ça va. Je les brain, je suis un petit malin. Joe Lopez n'est pas une andouille. Oh là là, la cata. Ouais, puis là, on n'est pas encore safe, hein, je te le dis. Il y en a là-bas. Il y en a ici. Ouh, au secours. J'évite de courir parce que vous avez vu ce que ça donne quand je me prends une galetouze. T'as une alarme de voiture. Une seule alarme de maison. Imaginez quand il y a l'hélicoptère, les gars. Je vous le dis, quand il y a l'hélico, c'est même pas la peine. Ça va, je donne pas de signe de fatigue pour le moment. Pourvu que ça dure. 21h40. On n'a pas mangé, on n'a pas dormi. On galope comme des cons dans la nature. Ah, et puis là, je les vois pas. Là, je suis dans la merde. Je les vois pas du tout. Je vais refaire pareil. Je vais rentrer dans la maison ici. J'ai soif. On va essayer de boire. On va manger un vieux citron. Ils vont rentrer à une vitesse de dingue. Barre-toi! Voilà. Dégage. Ça ouvre ici? Putain. Ça a failli être le piège. Hein. Non! Oh putain. J'ai cru que je m'étais fait niapo. Niapados, comme on dit en Suisse. Oh putain, la dèche. Oh putain, j'y crois pas. Enlevez le bandage, vite. Mais vous allez me lâcher à un moment, je vous le dis, hein, parce que là, ça va finir par chier, j'en ai marre, moi. Partout où je me barre, il y en a. Hein. Bah ouais, il y en a là-dedans, évidemment qu'il y en a là-dedans, tu m'étonnes. Ah tiens, c'est barricadé là, c'est sympa. Enfin, c'est sympa, si on peut dire. Oh, l'épisode de la fuite. La cata... Putain, c'est la cata... Et là, je suis en train de partir pas du tout où je veux aller. Hein. Ma base est compromise. Ma situation aussi est compromise. J'ai mangé un petit bout de citron. C'est pas ça qui va me nourrir.
Parce que je suis suivi. Oh, tu m'étonnes, je suis suivi. Je veux pas m'arrêter pour les fracasses parce que je vais me fatiguer. Et c'est ce qui peut m'arriver de pire. Parce que là, tant que j'arrive à marcher, je marche plus vite qu'eux. Mais si je suis fatigué, je suis mort. Là, j'en ai 4 sur le dos. 5, 6, 7. Ah, l'apocalypse, je vous le dis, c'est pas les vacances. Putain. J'espère que vous y voyez un petit peu quelque chose sur YouTube, parce que moi, je peux pas faire beaucoup mieux pour vous. Moi-même, j'y vois 3 fois Zer. Voilà. À chaque fois que j'essaye de m'éloigner, je retombe sur des... Putain. Je vais essayer de remonter nord. Ah ouais, je suis paniqué, mais je vais pas... Je vais pas m'arrêter fumer une clope. Putain. Normalement, les arbres devraient les freiner. Le problème, c'est qu'il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Petit aperçu de la survie en milieu hostile. Ça, c'est ce qui peut arriver de pire. Pas de véhicule, pas d'endroit pour te planquer, juste la forêt, et dans la forêt, il y a des aides. Oh putain, 23h20, j'y vois rien. Je vois rien du tout. Là, c'est cata. Cata totale. Par contre, j'entends moins de bruit, donc je vais continuer de me déplacer. Je vais faire une petite boucle pour revenir par là. En espérant que ça soit pas une mauvaise idée. C'est intéressant de regarder des vidéos sur YouTube, les gars, non? J'ai peur de rester immobile. Tu vois, en fait, le problème. Ça, on va jeter. Comme ça, voilà. Ça, est-ce qu'on pourrait en prendre? Je suis paniqué ou pas? Ouais, je suis inquiet. Inquiet, c'est pas grave. J'ai rien à bouffer. Je vais trouver à bouffer. Ok, il y en a un qui me suit. Je sais. J'ai rien à bouffer. J'ai rien emmené à bouffer. D'accord. Rien du tout. Ah, bonne idée, mon vieux Fredo. Bonne idée. Bonne idée. Oh là là, je suis sur le bord de la flotte. Ah ouais, non, non, mais le bord de la flotte, c'est pas très bon. Repose-toi. Ils arriveront pas par l'eau de toute façon. Voilà, repose-toi un peu. Tu sais quoi même? Regarde, allez, c'est la fête. Fume une clope. Allez, vas-y, gros. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bah écoutez, les amis, vous savez quoi? On va se quitter là. On va se quitter là pour cet épisode catastrophique. Donc, on espère que demain sera une meilleure journée. J'ai rien dormi de la nuit. Ma maison a été défonce man. Je pense que quand je vais retourner là-bas, il y aura du gros nettoyage à faire ou alors faut que j'aille ailleurs. Je sais pas, on verra. En attendant, portez-vous bien et passez une meilleure nuit que Joe. À bientôt.